genre la tête qui tourne, trop de sucre, en train de trembler et tout, non? On se retrouve pour la partie 2 du maxi retour de course. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, j'attends. Allez-y. Elle dure dans les 20 minutes, on a le temps. Allez-y, allez-y. Non, je rigole. Donc, on attaque directement avec le salé. le gras. Voilà, le gras. Parce que c'est gras. C'est de la graisse de bœuf, donc. Pour les frites. Parce que je ne sais pas si vous avez vu dans la première partie. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder la première partie. Et ben j'ai eu une friteuse pour mon anniversaire. Donc, il me fallait ceci. Faire des bonnes frites. Ensuite, bah des sauces à frites. Ah, je me suis défoncée. Donc des sauces à frites. Et alors celle-là, j'en ai pris deux directement parce que ma fille adore, 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 adore. 1 x 15. Vous savez, c'est les petites sauces. Bah, j'appelle ça les sauces McDo, mais est-ce que c'est ça qu'ils mettent à McDo? Je sais pas. C'est les sauces à frites. Trop bonnes. Ensuite, bon, j'aurais pu mettre ça dans les légumes, c'est grave. Des champignons pour la blanquette. Vous savez pas de quoi je parle? Bah, c'est que vous n'avez pas regardé la partie. Donc ensuite, des pâtes, toujours les mêmes. J'en ai repris un petit peu. Parce qu'il m'en restait un paquet. Mais c'est surtout comme ça que j'ai acheté d'autres pâtes. J'ai pris des lasagnes à garnir. Bah, des pâtes à lasagne, quoi. Parce que je vais faire des lasagnes. Vous vous doutez bien! J'ai envie d'en faire au poisson. Ça doit être bon, ça. Ou alors cuire aux légumes. Lasagne de courgettes, c'est bon, en fait. Enfin, bref. Ensuite, à la crème fraîche. Je suis en train de me faire des idées moi-même. Bah, des coquillettes, tout simplement. Ensuite, des spaghettis. Et toujours dans le ail, dans le salé. J'ai pris 2 paquets de riz long grain, les 18 minutes. Et qui ne colle pas. Et je suis d'accord, la dernière fois, moi, j'ai essayé. Enfin, non, la dernière fois, j'ai essayé, oui. La dernière fois, j'ai essayé avec du riz. Non, mais vas-y. Tout le monde qui mange, il n'y a pas de problème. La galère. Donc, je disais, la dernière fois, j'ai essayé du riz long grain. De Hyper U, qui colle pas. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça. Pardon. Donc, ensuite, 2 boîtes de... Pourquoi j'ai épinards, non? Des haricots verts. Oh, ça fait bien longtemps que je parle. Hop, on va accélérer. Déjà qu'elle parle vite, la nénette. Raconterait-moi sa vie aussi. Ensuite, 2 sauces tomates à l'olive, comme d'hab. Ensuite, je dis toujours la même chose. Donc, de la béchamel. Puis j'ai pris, vu que j'ai pris de la viande, autre tour, partillon, je t'ai dit. Donc, vu que j'ai pris de la viande et du poisson, j'ai pris des sauces. Donc, j'ai pris 2 sauces au poivre, tac. Et 2 sauces au beurre blanc pour le poisson, tout simplement. Tac, tac. Attendez, j'essaye de tout prendre comme une fifou, hein? J'ai tout fait tomber. Ça va être mignon. Du ketchup. Hop. De la mayonnaise, comme d'hab. Ah, ça tombe. J'ai repris 2 pestos. Et j'ai repris de la confiture. Donc, j'ai pris fraises et abricots. Ma chouchou d'amour, l'abricot. Hop. Oh là là. En vrai, va falloir que je me magne parce que autrement ça va être en 3 parties. Non, rigole. Vous allez vous taper 40 minutes en temps de course. Oui, mais mettez ça genre en buvant votre café le matin. Je vais vous réveiller. Ou le soir avant de dormir, je vais vous endormir. Eh, y a moyen. Il y a moyen de faire un des deux. N'hésitez pas à me dire bonne nuit ou bonjour. Hein? Il n'y a pas de quoi, c'est mieux que les somnifères. Donc ensuite,
Dis pas hot dog. Ah, c'est trop bon ça. C'est tout bête, mais c'est trop bon. Et surtout, ça fait tellement longtemps. Ensuite, ma pépette, elle a craqué la suite. Donc, j'ai pris deux curly, enfin les faux curly, là, au fromage. Pas ma fille pour rien. Et des frites frites. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça. Oh, ça fait bizarre. Donc, des frites. C'est tout bête, mais c'est bon. Et oui, je sais, c'est pas bon, mais c'est bon quand même. Moi, je vous le dis, je l'ai dans le manger. Je vais le manger et c'est bon. Du pain, comme d'hab. Toujours le même pain. Hein. Tu vas être sponsorisé par du pain de mie et de fromage. Hein. Partenariat fromage, imaginez. Oh oh. Ce serait trop bien. Ah, bref. M'en fous, ça m'empêche pas d'en racheter quand même. Des crackers, comment ça faisait trop longtemps. Je crois qu'avant c'était des tucs. Bah les tucs. Tu vois un tuc. Un tic. Un tuc. Un des deux. Ça là. C'est bon avec du fromage. Non mais avec du fromage à tartiner dessus, ouais, les fines herbes. Du Saint-Mauré là. Enfin, quand tu essayes de le mettre, tu pètes ta biscotte, mais c'est pas grave. C'est bon quand même. Ça te fait un mélange. Hop, ensuite. Non. Loupé, voilà. Des chips ondulés, les petits paquets. Et des chips normaux, les petits paquets aussi. Je jette tout, là. Et si on passait aux légumes? Pourquoi je parle comme Stitch? Non, dans Cid, dans l'âge de glace. Hop, donc. Des carottes. 3 kilos. Trop bien. Je suis refaite. J'avais trop envie de carottes, faut pas chercher. Du raisin sans pépin, c'est ça? Ouais, raisin sans pépin. C'est pratique quand t'aimes pas ça. Que le... Non, ça va. Ensuite, le maxi pochon de pommes. Comme d'hab. Franchement, si vous suivez tous les retours de course, à chaque fois, je dois parler d'eux. À chaque fois, j'achète des pommes. Ou alors, s'il n'y en a pas, c'est que j'ai oublié. C'est pas bien. Ensuite. Deux paquets de 3 avocats. Donc j'en ai pris des mûrs et des pas mûrs du tout. Comme ça, j'ai le temps de venir voir. J'ai le temps de les manger. Alors je sais pas si ça va ressortir pareil, mais waouh, vous avez vu la beauté de ces tomates? Eh, j'ai plus de pied de tomates. J'ai que les béternades qui sont en train d'exploser. Vous avez vu ça quand même? Bien. Hop, ensuite. Des pois. Parce que la dernière fois, mes parents, ils ont dit, tiens, on va ramener le goûter. Ils ont ramené des poires et du chocolat. On l'a fait fondre, on a mangé des poires chocolat fondues avec de la chantilly. J'adore les goûters avec mes parents. On me demande pourquoi je suis gourmande. La vie, la bouffe. Bon. Que je vous explique. C'est pas une des miennes. J'ai dû en acheter une. C'est parce que les miennes, elles sont longues à devenir de cette couleur-là. Mais elles vont pas tarder. Mais j'en avais trop envie. Je vais les farcir. Je vous ai déjà fait une recette. Je vous mets la vidéo, je sais pas où, là, quelque part. Tiii. Bon, bref, je vous mets la vidéo juste là parce que moi, je les farcis avec du poulet de la béchamel. Crème fraîche, pommes de terre. Trop bon. C'est tellement un plat d'automne. Mais alors les courges farcies là. Oh là là, beaucoup trop bon. Trop bon. Bon, je vous montre pas tout, hein, mais j'ai pris 2 kilos. Donc 4 grosses patates comme ça. Patates douces. Très bon. J'adore. J'ai une passion pour les patates douces en ce moment, je sais pas. Peut-être parce que c'est orange, je sais pas. Je sais pas. Donc ouais, patates douces et butternut là. Oh, j'adore. Ensuite, est-ce que je vous ai montré le kilo de patates? Non, parce qu'en plus, il n'y a pas un kilo. Maxi lot de patates pour faire des frites. Et pour faire au four aussi. Voilà. Ah, c'est tout froid avec mon petit pied. Ensuite, est-ce que je vais réussir à vous le montrer sans le faire tomber?
J'ai pris deux packs de jus de pomme. Deux packs comme ça. Et deux packs d'œufs. Je vous le montre pas parce qu'en fait, il y a mon trépied qui est dessus. Super. Alors ensuite, j'ai pris trois pots. Enfin, trois pots. Trois paquets de langettes. Pour les fesses à mon bébé. Voilà. Le maxi paquet de couches. Tada! Hop. J'ai encore pris la promo comme d'habitude. Un pack acheté, le deuxième à moins 60%, je crois. Qui est hyper intéressant parce que c'est des packs de 8 en plus. Super intéressant. Et le pack de multivitamines. J'ai su le dire. Voilà. Ne pensez pas que c'est fini. Si vous êtes dans le premier, si vous avez regardé la première partie, je vous parle de ce sac. Ce sac de la honte. Attendez. Avant le sac de la honte, je vous montre juste ça et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il sait qu'il va y avoir bientôt et que j'adore. J'ai pris deux sacs de... Bah, des patates Halloween, en fait. Des patates... Non, mais des patates citrouilles. Oh, donc, au congélateur. Et qui dit Halloween. Dit des becs. Donc, je vous explique. Non, j'explique rien, en fait. J'adore les bonbons. Mon chéri, mes filles, on adore les bonbons. Puis, bah, des bonbons, quoi. Et puis, c'est Halloween. Non, parce qu'en fait, normalement, on va chercher les bonbons. Mais cette année, ça va être un petit peu compliqué d'aller chercher des bonbons. On va pas s'imposer chez les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je fais une fête d'Halloween pour ma pépette. Donc en fait, on a invité comme un goûter d'anniversaire, mais il n'y a pas de cadeau. Ah, c'est nous qui faisons des cadeaux. Donc, on a invité des copines, en fait, des copines, des copains à venir. Donc voilà, ce sera sécurisé et tout, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous en foutez royalement. Vous voulez juste voir les becs que j'ai achetés. Donc... je vais faire des gros, en fait, en guise de cadeau. Qui dit mieux que bah, des petits derniers et puis un gros paquet de bonbons. Je vais pourrir les dents des gosses des autres. Ah, et des miens aussi. Donc. Tac. C'est la période, quoi. Vous allez voir en période de Noël. Je vais vous retourner, mais les paquets de chocolat, vous allez pas comprendre. Donc. Du pop-gum. Parce que du coup, quand je fais un petit goûter d'anniversaire, petite astuce, au lieu de faire des bonbons et tout, vous mettez des grosses saladiers de pop-corn. Comme ça, elles peuvent se goinfrer de pop-corn. Mais ils ont pas genre la tête qui tourne, trop de sucre, en train de trembler et tout. Non. Le pop-corn, c'est pas mal, ça prend de la place et ça fait stylé. Et puis j'adore ça. Donc, pop-corn. Alors, ensuite... ça, c'est parce que ma fifi, elle adore. Comment ils appellent ça? Des boules coco. Vous savez, c'est les meringues en fait enroulées de. Enfin, enrobées. Mais alors, le paquet quoi. Et ça, c'est pareil, je vais en mettre une ou deux dans chaque pochon de. Chaque pochon cadeau en gros. Hop, ensuite. Regarde, c'est mon oiseau juste derrière. Donc, ensuite, deux paquets de chamallows. Je me coiffe. Je vais porter plainte contre vous, petits cheveux. Vous me saoulez. Ah! C'était l'autre côté! Un paquet de fraises. Mais c'est pas les fraises fraises, c'est des. Comme ça, elles sont plus grosses, elles sont mieux. Tombe pas, s'il te plaît, parce que t'es ouvert. Il y en a une qui a pas pu attendre. Ensuite! Bah, les petits bonbons tendres. Normal. J'ai envie de vous dire. T'en en une tonne et puis bah, ils sont moelleux donc c'est cool. Donc deux gros gros paquets. Hop. Bien sûr que ça va me durer un moment. Hein. Ensuite, deux paquets de sucettes. Ça c'est pareil, les copains vont en voir. En fait, il y a une partie qui va être sur la table. Mais c'est surtout une partie pour qu'ils évitent de mettre leurs doigts dans le même pochon, enfin dans le même panier partout.
faire des petites coupelles en fait. Et tac, et ils en ont un paquet à prendre chez eux. Beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai pris des dents de Dracula. Vous savez, ces petites dents là, rouges. Trop bon ça. Tac, j'en ai pris deux. J'ai pris deux paquets de fil. On m'a dit comme ça, c'est bizarre. Et vous allez comprendre. Des fils qui piquent. Deux paquets. Des fils qui piquent. Un paquet de bananes. Parce que ça n'avait pas trop la tronche d'Halloween. Et ça, ma fille, elle a vu, elle a fait, c'est dégueulasse. Mais on va pas manger ça. Mais moi, je les trouve trop mignons. Mais c'est vrai que dit comme ça, j'ai pris des cerveaux. Mais regardez comment ils sont trop choux. Regarde mes petites cervelles. Mais fais le focus pas sur ma tronche. Fais le focus sur le petit cerveau. Ah, il y a les détails et tout. À l'intérieur, ils ont mis des morceaux de couleurs. Mais c'est trop mignon. Puis c'est bon. Donc des petits cerveaux, ça fait trop Halloween. Enfin, on est d'accord. Les loulous, voilà, ils vont pas pouvoir faire leur petite fête d'Halloween, donc qu'ils viennent faire la fête chez moi. Donc, est-ce que j'ai fini? J'ai fini, vous allez pouvoir vous endormir. Faites de beaux rêves. Ou alors passez une bonne journée. Donc sur ce, j'ai fini. Mais comme je vous ai dit, je vais faire une fête d'Halloween. En fait, une Halloween party. Ouais, c'est une fête d'Halloween. En gros, je vais faire une fête d'Halloween. Donc, est-ce que ça vous intéresserait que je vous prends avec moi dans la préparation de cette fête? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors à venir sur Instagram me le dire. Voilà. Donc chaque année, je fais une fête d'Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en fait si ça vous intéresserait de me suivre pendant que je fais la préparation de la fête. Les invitations ont déjà été données. Mais voilà, je peux vous faire une vidéo de comment préparer une fête d'Halloween. Avant Halloween, ne vous inquiétez pas, ça arrivera. Voilà, donc les activités, les gourmandises, les invitations, ça sera en vidéo. Donc sur ce, j'espère que ce retour de course en deux parties juste immense et pleine gourmandise vous aura plu. Bah voilà, sur ce, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, merci encore, et à continuer à mettre des pouces bleus, et puis bah salut.